Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler roi, roi de KvK et roi de Rock en 2023. Évidemment donc on va s'attarder sur les plus gros KvK, on va parler event également, mais avant cela les amis... Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, les amis. Vous y retrouvez toutes les infos, les tips, les guides, les pairings. Tout est sur le Discord. N'hésitez plus, les amis. Les amis, on commence avec mon KvK. Alors, oui, c'est sûr, ce n'est pas le méga KvK, mais ça reste un KvK intéressant. Je suis tombé qu'avec des Coréens, comme vous pouvez le voir hein, dans la fenêtre de chat. C'est vraiment Coréen Land. Hein, donc, je passe mon temps à faire des translate et j'ai réussi. Comme j'étais R4 sur mon royaume, hein. je suis R4 dans la très grosse alliance. Alors, petite astuce pour ceux qui se retrouvent sur des royaumes un petit peu petit, un petit peu mort ou fantôme des Ghost Kingdom comme le mien eh bien, il n'y a pas à hésiter, il faut se regrouper. Nous, c'est ce qu'on a fait. Hein. On est en train de se regrouper dans plusieurs alliances, et l'une d'entre elles est bien évidemment le 1614. Donc, ça ne fait pas des alliances de dingue, mais ça tient quand même la route. Regardez, si on regarde l'alliance dans laquelle on est en train de se réunir pour une bonne partie, on est déjà à 11 ,3 milliards 3. Il y a quelques petites baleines hein, tout de même. Alors, si on regarde, je dois aller dans membres. Voilà, si on regarde, vous voyez, hein, il y a des des gros joueurs hein, 100 millions 102 millions 119 millions bref des mecs qui sont prêts en découpe des coréens et vous le voyez on a un petit flag qui nous dit de quel royaume on est pour ceux qui avaient jamais fusionné des alliances inter -royaume. bon, c'est toujours sympa et ça permet de rencontrer d'autres joueurs en revanche ça demande pas mal de rigueur au niveau des bundles je vous le rappelle il est quand même préférable de pouvoir acheter le bundle. Alors, vous lâchez vos 5 balles, mais vous avez le bundle qui va vous donner... Alors, je l'ai déjà pris aujourd'hui. Il n'est pas approvisionnement. Si c'est celui-là. Approvisionnement en cristaux de saison premium. Alors, sur PC, hein, je l'ai payé 5 balles. Si je ne dis pas de bêtises... Franchement, il faut le lâcher si vous pouvez vous permettre de mettre 5 balles dans le jeu. C'est le seul bundle qui est quasi obligatoire si vous voulez faire quelque chose en saison 4 hein, de, euh, de KvK, du Heroic Anthem. Vous êtes ou n'importe quel soc d'ailleurs, hein, puisqu'il y a les cristaux partout. C'est celui qui va vous permettre réellement d'avancer. Donc si je dois vous en conseiller un et un seul, ça sera celui-là. Et si vous pouvez mettre un petit peu plus pour le KvK. Eh bien il faut rapidement monter comme moi hein, la mine de cristal au niveau 25 pour y prendre tous les bundles qui vont apparaître. Hein. Et de même hein, au niveau du centre de recherche, faut faire pareil. Hein. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite et d'éviter de vous faire éclater lors des différents matchs d'open field, lors des, grosses, des gros combats et des grosses défenses. Sinon vous allez réellement... Vous faire brûler. Mais là, le ticket s'élève un petit peu plus haut. Si je dis pas de bêtises. Si vous voulez prendre tous les bundles essentiels. Sans prendre les bundles de la montagne. Alors tac, normalement, le bundle de la montagne, il est déclenché. Ou oh, pas encore. Non, on est en générosité ancien. Le bundle de la montagne, c'est celui qui se déclenche juste avant l'ouverture de chaque porte. Trois jours avant. Si je dis pas de bêtises ou deux jours avant. Bref, les bundles essentiels. Vous allez tourner autour des 110 euros, je crois, en passant sur PC, hein, pas sur Android ou pas sur Apple, évidemment. Sinon, vous prenez une petite marge de 20% qui fait plaisir. Mais le seul, encore une fois, hein, que, qui est essentiel selon moi, c'est vraiment l'approvisionnement en cristaux de ces zones premium. Le reste, on peut s'en passer. Petite info MGE avant de parler de ce méga KvK qu'on regarde tous, celui du 1365 bien évidemment. Hein. On a les MGE qui vont arriver, les plus grands gouverneurs qui vont arriver sur tous les royaumes. Et bien sur le royaume, les royaumes chinois comme vous le voyez, hein, ils ont déjà l'annonce de Gorgo alors que nous on ne l'a pas encore. Est-ce que on va avoir une mise à jour juste avant, enfin une mise à jour, un update des commandants juste avant l'ouverture du MGE, c'est-à-dire dimanche voire lundi matin, on va voir, on va suivre ça, mais nous on ne l'a pas et eux l'ont encore une fois peut-être petit avantage pour nos amis chinois, c'est sur les serveurs chinois uniquement, hein. ce n'est pas sur le rock global, il n'y a pas de désavantage sur d'autres serveurs sur le global. Ne pensez pas à ça. On parle donc les amis à présent KvK avec donc le plus gros KvK. Je ne pense pas qu'on aura plus gros sur cette fin d'année et ça va décerner forcément le roi de Rock sur cette fin d'année. Il n'y a pas de doute, hein, le 1365 et le 1093 sont les deux plus gros royaumes du moment. Je vous avez cité certes le 1960 mais le 1960... Malheureusement, n'aurait jamais gagné ces derniers KvK sans ses alliés. Notamment sans le 10-93. Donc là, il n'y a pas de mystère. C'est ces deux royaumes-là. Le 13-65 et le 10-93. Qui sont numéro 1 et numéro 2 des royaumes. L'un des deux va gagner son KvK. Et forcément, l'autre va perdre. 29 jours, 6h, 34 minutes et 8 secondes. Les terres du rang ouvert. Je vous ai déjà fait un update, je vous avais dit. Petit avantage sur le papier, ça semble être un avantage au 1365 grâce à ses alliés, mais tout va se jouer en terre du roi. Regardez déjà au niveau des forteresses, franchement ça devient n'importe quoi, il faut vraiment que Lilith... Patch ça qu'on ne puisse pas poser de forteresse en dehors de sa zone de départ. Regardez là sur ce simple écran hein, combien on en a. Je suis que sur le côté droit. Hein. J'en ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et après, c'est le bordel à compter 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Sur cet écran, il y a les amis 52 forteresses. Vous n'en avez jamais vu autant. 52 forteresses, tout ça surtout sur ce front-là pour éviter un débordement tant du côté des 10, 93 que du côté du 13, 65. Est-ce que quelque chose brûle non, ça ne semble brûler d'aucun côté. Ça a brûlé du côté des OG1, donc du 1365. Est-ce que ça a brûlé du côté du 1093 Non, ça ne brûle pas. On vérifie bien. Non, ça ne brûle pas sur ce côté-là. Bon, ça n'empêche, ouais, ça lag de ouf. Regardez, il y a toujours de l'activité. A... Enfin, ça lag de ouf. Non, ça va. Il y a toujours énormément de monde. Alors, ce skin de ville hein, que j'ai aussi qui donne un plus 5% au dommage de skill. Tout le monde là, évidemment, on peut l'acheter en KvK. C'est le meilleur en KvK. SOC, hein, il est énorme. Vraiment, très, très gros fight permanent. Allons voir de l'autre côté si c'est la même chose. On l'avait vu, mais est-ce que ça a tenu avant de s'intéresser aux terres du roi, enfin aux terres du roi, aux terres d'Orléans plutôt Regardez la bataille d'Orléans, déjà qui va la gagner Pareil de l'autre côté, hein, ces forteresses, mais si je dézoome, il hein, y en a quand même un tout petit peu moins, pas énormément moins, mais un tout petit peu moins. Qu'est-ce que ça donne Est-ce qu'on a des forteresses en feu On a la forteresse des 93 R en feu. Pourquoi je vérifie ça hein C'est... Jamais bon signe quand les terres du roi sont ouvertes et qu'il y a des forteresses sur les côtés en feu. En général, celui qui a des forteresses en feu, c'est celui qui perd. Je dis bien en général parce que là, on est sur les 93R, c'est une forteresse de soutien. En revanche, les 93H, c'est du soutien aussi. Mais c'est un petit peu plus inquiétant. C'est ce que les G, G, J, G. Ouh, c'était dur à dire. Flambeux, non, ça brûle pas. Et les 93X, ça brûle aussi. Ce n'est pas bon signe pour le 1093, ça les amis. Et les 93D, regardons, c'est les derniers eux aussi. Ça ne brûle plus, ça a brûlé, ça ne brûle plus. C'est chaud les amis, allons donc tout de suite voir ce qu'il se passe en direct à Orléans, avec un petit peu de décalage sur la tour des portes. Les portes ont ouvert hier vers 18h UTC, si je dis pas de bêtises, 20h heure française et regardez au nord c'est le 13 65 et ses alliés au sud c'est le 10 93 et ses alliés alors les deux ont eu la bonne idée de se mettre en rouge ce qui fait qu'on ne voit pas tellement la démarcation regardons là ils sont le 10 93 et leurs alliés ils ont avancé cherchons les points de contact les points de contact semblent être ici quasiment au milieu et effectivement c'est bien là que ça se passe. Comme d'habitude, regardons les troupes utilisées par ces joueurs qui sont parmi les meilleurs et les plus expérimentés de Rock. On retrouve évidemment énormément de Zugliang, éno... enfin non énormément de Nevsky, euh, du Zugliang, du Boadissé, un petit HQ, il n'y en a pas tant que ça, du Jeanne d'Arc, on a aussi beaucoup de Guan et de Scipio. Bref, les pairings que je vous ai donnés dans une vidéo un peu plus tôt cette semaine sont clairement les plus utilisés. Au niveau des rallyes, regardez, oh un petit freeze, au niveau des rallyes, c'est beaucoup plus simple. On se retrouve avec Tariq et Pacal, hein, Tariq Bin Ziyad, hein, notre pote avec Pakal, qui font des rallyes sur ce flag en construction, ce flag des A818, donc de l'alliance du 1365. C'est très très lourd hein, ce qu'ils qu sont en train d'essayer de faire là. Il y a vraiment du monde malgré l'heure. Alors vous allez me dire, non, il n'y a pas tant de monde que ça. Si, il est quand même tôt et euh, il y a vraiment de l'activité à tout moment. Et, et, et ils n'ont pas réussi. Hein. Vous avez vu, le rallye a été euh, perdant. Ils n'ont pas réussi à faire tomber. Il y a quand même pas mal euh, de lag hein, sur, sur ce serveur ce matin. Il y en avait moins hier soir. C'est bizarre, pourtant il y a moins de monde. Bref, vous le voyez, il ouais, faut dire sur le côté, il y a peut-être euh, tout autant de monde. Des très Grosse zone de fight. Est-ce qu'on a des drapeaux en feu d'un côté ou de l'autre Oui, on a un flag en feu ici. Un flag des Arcos. Alors, les Arcos, je crois que c'est le 1365, si je dis pas de bêtises. C'est le 1649, mais c'est l'alliance, la coalition du 1365 ou pas 49. Je ne sais pas de quel côté ils sont. Eux, Je pense que c'est les alliés. Ils font partie des alliés. On va ensuite voir la frontière. Hein. Non, 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 on n'est pas sur le 13-65. On est sur les alliés du 10-93. Donc c'est un allié du 10-93 qui est en train de se faire brûler son flag. Qui est en train de se faire brûler tous ses flags. De l'autre côté, le 10-93. Lui, il a l'air de tenir. Non, ça ne tient pas non plus sur les PB03. Ça ne s'annonce pas bon du tout pour le 1093. Sur ce côté-là, est-ce qu'on a d'autres points de contact Alors là, on a un jump, un jump des S22, mais qui tient le, le centre également. Donc non, ça n'aidera pas le 1093. Le 1093 avec les 93 L. Qui sont énormes et sortis sur ce côté-là. Ils n'ont pas bloqué. Parce qu'il n'y a pas à bloquer. Il n'y a pas de, de saut. Il y a un jump de muraille. Mais ils sont sur un très gros front. Là, face au 13,65. Hein, au euh, BLN. Au euh, GJ. Bref. Les plus gros. Est-ce que ça brûle de ce côté-là Eh bien, de ce côté-là, c'est les BLN qui brûlent. Le ah, C'est intéressant. Hein. Du côté gauche où c'est les alliés du 10 93, le 10 93 est en train de se faire surpasser parce que ses alliés cèdent. Mais de son côté à lui, eh bien, il n'a pas l'air de céder du tout. À qui est ce flag la rouge Est-ce que c'est est du OG Est-ce que ça brûle là Ça ne brûle pas. Ça tient. Hein Ils sont balèzes quand même de ce côté là. Le 10 93 est normissime. Lui ne cède rien. Il touche. Le centre, hein, il va pouvoir faire le siège d'Orléans. Et au niveau de, de, la, de la zone de, de contact, on a le drapeau des JG des du 1365 qui brûle. Je suis vraiment très surpris. Je, les deux brûlent, je n'avais pas vu le deuxième. Ça va être très tendu au niveau des binômes. Là, clairement, c'est les meilleurs joueurs. Du jeu, et vous le voyez, on a un Liuche au centre tout seul. En premier, on a du Nevsky, du Scipio, du Boadice, du Guan. Exactement les mêmes binômes, toujours les mêmes. On a même un Justinian. Donc, les amis, n'hésitez pas monter ces commandants must type. et regardez d'où ça part. Là, c'est intéressant. Ici, regardez cette zone de contact. Je vous avais dit léger avantage. À la zone de contact au positionnement au 13,65 car il y a un petit pont qui est du bon côté, regardez, ils sont au nord et la rivière leur permet de limiter les accès. Mais si on regarde justement, wow, petit frise encore une fois, si on regarde les accès, même gros gros frise hein, à croire que les serveurs ne tiennent plus, regardez cette zone-là, cette zone précise là, on peut voir qui repart le plus. Et on voit depuis tout à l'heure, hein, les troupes grises sont des troupes des BLN. Donc les BLN sont en mauvais passe en ce début de journée. Peut-être on pourrait dire que ce n'est pas euh, l'horreur de pointe, hein, mais euh, les serveurs comme le 1365 n'ont pas d'heure de down. C'est du permanent, les amis. Donc aucune raison qu'ils perdent, sauf, sauf à être moins bons sur cette zone-là. On va voir si le 1093 arrive à prendre le siège d'Orléans. C'est plus facile ce genre de KvK car si on reste en statu quo, hein, celui qui gagnera, c'est celui qui réussira à prendre l'hôtel de ville d'Orléans. Alors pour ça, il faut le toucher et il faut réussir à faire un minimum de ménage. On va suivre ça, les amis. Si je dis pas de bêtises, c'est dans 3 jours ou 4 jours maximum. Donc normalement, peut-être dimanche qu'on pourra voir. Le retour du siège d'Orléans et qui sera donc sacré roi de Rock. On est en octobre, hein. il n'y aura pas de KvK, très peu probable, aussi gros que celui-là qui sera fini d'ici la fin de l'année. Le gagnant sera donc le Big Boss Absolu. En parlant de Big Boss Absolu, les amis, Absolu c'était dur à hein, dire. En parlant de Big Boss, on va parler très rapidement, puisque vous aurez la vidéo de demain, vous me l'avez demandé, hein, Osiris avec la grande finale. Qui arrive et hein. eh bien oui, nous aurons les pronostics dès demain de cette grande finale. Alors je vais la trouver Paris sur la grande finale. Le tirage au sort a été plutôt clément avec les 60 GT en les mettant face aux 75 décès. Donc on verra tout ça demain. Gardez bien vos pièces. Le store est évidemment bien moins intéressant, mais on va quand même tenter de le vider pour se faire plaisir. Vous inquiétez pas, tout ça demain 18h, on aura de quoi parier et de quoi plier ce store. Et pour ceux qui se demandent pourquoi demain 18h, on attend que la cote se stabilise au maximum pour se blinder le plus possible en faisant les bons choix. Voilà, bon, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.